On va commencer cette rencontre, cette deuxième rencontre de la rentrée. On est très heureux de vous accueillir à la boutique Potemkin. Alors, je vois quelques nouveaux visages, mais bon, vous connaissez un peu le principe de ces rencontres. On est une boutique de DVD. On essaie de rassembler au maximum ce qu'il peut y avoir d'intéressant et de cinéphile un peu dans les sorties qu'on a à accueillir. Et puis on a tout un rayon livre qu'on essaie d'étendre au maximum depuis quand même quelques années. Et puis un éditeur quoi, avec lequel on travaille régulièrement, Marest Éditeur, Pierre Julien, avec lequel on a fait plusieurs rencontres, qui est toujours de très bonnes idées au niveau de ces éditions. Et puis il y avait eu il y a quelques mois cette sortie groupée autour de deux ouvrages, autour de Richard Fleischer, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup ici, qu'on aime beaucoup à la boutique, et surtout une bio survivre à Hollywood qui fourmille d'anecdotes. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas de Richard Fleischer, autre que ses films. Et là, c'était une très belle occasion de découvrir plein de choses. Donc c'est l'ouvrage qu'on met en avant aujourd'hui avec un second ouvrage, Richard Fleischer, une œuvre de Nicolas Télop, qui est donc Nicolas Télop qui est ici, et Julien Guérif qui a traduit la bio de Richard Fleischer et qui est également ici et qui vont venir nous parler de cinéastes, de ses films et combien de films. C'est vraiment une œuvre qui s'étend presque sur un demi-siècle. Donc je vais surtout leur laisser la parole, le micro. Peut-être une petite bio express sur Nicolas, qui est écrivain, rédacteur en chef adjoint de la 7e Obsession, c'est toujours le cas ? Oui. Alors, exploratoire des méandres de la pop culture pour de nombreuses revues, qu'est-ce que ça veut dire ? Je travaille aussi sur la bande dessinée, dans les cahiers de la BD par exemple. J'ai travaillé au magazine littéraire, mais ça c'était avant. Ouais. Je dois oublier certaines choses, mais c'est déjà pas mal. Et oui, je relance. Enfin, je fais partie de l'équipe qui relance Métal Hurlant. D'accord. Le 30 septembre, qui arrive. Bon, voilà. Très bien. Bon, bah, c'est ça. On va guetter ça. Julien Guérif. Alors, pourquoi on vous présente comme le fils de François Guérif ? Parce qu'on connaît peut-être plus le père que le fils. Oui, oui. Qui est éditeur, essayiste, mais vous, alors, cinéphile, vous êtes réalisateur ? Non, moi je suis scénariste. Scénariste. Je travaille comme scénariste depuis 10 ans à la télévision pour des téléfilms et des séries. Et bah oui, j'ai été élevé dans une milieu de cinéphile, donc j'ai vu beaucoup de Richard Fleischer très jeune, hein, j'avais pas d'accord, eu le choix. D'accord. Et puis voilà, j'ai été traducteur avec mon frère Benjamin et tout seul, et je le fais plus trop, mais comme c'était un projet de passionné, disons, d'un vieil ami, Pierre Julien, avec qui on avait fait d'autres bouquins sur le cinéma, notamment Dark City de Eddie Muller et puis Les Mémoires de Sterling Hayden. D'accord. C'était l'occasion surtout de retravailler avec un ami et puis sur un réalisateur qu'on adorait, donc c'était plus occasion-là. Mais... Alors pourquoi baigner dans le Richard Fleischer très jeune ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voir Le Prince et le Pauvre 40 fois quand j'étais petit, parce qu'on l'avait en cassette. Et d'accord. Puis Soleil Vert, qui est marquant, 20 milieux sous les mers. Et puis plus tard, adolescent, L'Étrangleur de Boston, L'Étrangleur de Rington Place. D'accord. Oui, et puis tard, Les Flics ne dorment pas la nuit. Je ne me souviens plus exactement quand, mais c'est des films qui marquent. Et puis on ne fait pas toujours le lien avec Richard Fleischer. On voit ces films qu'on adore et puis on se rend compte que finalement, c'est le même réalisateur. Exactement. Donc c'est pas un auteur qui est le plus évident, mais que plus on devient cinéphile, plus on se rend compte que finalement son œuvre est cohérente et ultra riche, et que c'est un des plus grands cinéastes du XXe siècle. Mais c'est quand même étonnant ça, peut-être Nicolas, comment un cinéaste de cette trempe-là, donc qui filme sur presque un demi-siècle, une cinquantaine de films, des registres complètement. On pense à 20 milieux sous les mers, on pense à Soleil Vert, on pense à Mandingo, on va les citer, tous ces films. Mais on réalise souvent après que c'est un film de Fleischer. C'est un film qui nous marque et on se dit, tiens, comment on explique une telle filmographie, une telle longévité sur autant de générations et sur autant de registres différents. Il y a peut-être plusieurs questions. Plusieurs questions ouais. Parce que Fleischer n'est pas forcément reconnu parce qu'il n'a jamais fait partie du club des auteurs qui étaient mis en avant par les cahiers du cinéma. Pour une raison obscure, on ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, il n'avait pas la carte en quelque sorte.
mais ça ne l'empêchait pas, lui, de continuer à construire son œuvre, en dépit des aléas et en dépit des problèmes qu'il rencontrait très régulièrement à Hollywood, à peu près à chaque décennie, en réalité. À chaque fois qu'il croyait être arrivé à un caractère un peu installé dans sa carrière, une reconnaissance, qu'il soit celle des studios ou celle des critiques, il finissait toujours par tomber sur un os. Donc il y a une sorte de fatalité dans sa carrière qui fait qu'à peu près tous les 10 ans, alors qu'il réalise une sorte de chef-d'œuvre, tout s'effondre sous ses pieds. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les mémoires de Fleischer ont été retitrées en français « Survivre à Hollywood », parce que c'est vraiment un survivant, quoi, qui n'a cessé de se réinventer, qui n'a cessé de chercher à trouver d'autres pistes que celles qu'il avait dû abandonner auparavant. Et ce qui lui joue des tours, parce que dans les années 80, il a une partie de carrière qui est très particulière, quoi. Voilà, on retrouve sur des films comme... on y reviendra, mais sur des films un peu moins... Pas glorieux, mais bon, disons, un peu plus anecdotique. Un peu moins glamour, voilà. Mais même si Conan, il peut y avoir un côté glamour dans Conan. Oui, voilà, c'est le 2, oui. Mais peut-être on peut rentrer dans Fleischer par 20 milieux sous les mers, parce que c'est une commande de Disney, parce que ça nous permet de parler de son père, peut-être aussi, Max Fleischer, qui était un animateur. Peut-être, tu veux en dire quelques mots de cette filiation de son père qui a... Il admirait beaucoup son père, qui est Max Fleischer, qui a créé les studios d'animation qui étaient concurrents de Disney, qui a créé Betty Boop, Popeye, qui a fait l'un des premiers films long-métrage en même temps que Blanche-Neige, et qui a toujours été un innovateur, qui a créé les techniques qui ont permis aux dessins animés modernes d'exister, qui ont ensuite été reprises par Disney. Et donc, pour lui, le fait que Disney ait triomphé et été associé aux dessins animés... et à l'animation aussi belle que Blanche-Neige, plus tard Pinocchio et tout ça, ça a été une grande déchirure parce que Max Fleischer a eu des mauvais partenaires commerciaux, notamment Zucor, je crois, qui en fait l'a trahi et n'a pas suivi sa vision avec des investissements assez élevés. Et finalement, il a perdu ses studios, il a perdu son autonomie et donc sa carrière s'est effondrée assez vite. Et Disney a eu un essor stratosphérique jusqu'à aujourd'hui, alors que plus personne se souvient de Max Fleischer, ou très peu en tout cas. Et donc quand Richard Fleischer, jeune réalisateur, est contacté par Disney dans les années, au début des années, enfin en 1953, pour faire 20 milieux sous les mers, il a un peu un cas de conscience, parce que c'est l'ennemi juré de son père. Petite anecdote, c'est que son père, sur son lit de mort, voyant une couverture du Times avec la tête de Disney, répétait « quelle ordure celui-là », donc il n'avait pas du tout digéré sa relation avec Disney. Et donc, il se voit offrir un pont d'or pour sa carrière, parce qu'il a commencé dans les séries B, il a fait des bons films avec des budgets hyper réduits, ce qui lui a un peu donné le droit de prétendre à des séries A. Et la première série A qu'on lui propose, c'est par l'ennemi juré de la famille. Donc, il demande la permission à son père avant, pour pouvoir, en gros, travailler avec Disney. Bien sûr, son père, étant l'homme qu'il est, lui dit « Vas-y, bien sûr, fais ce film qui va être fantastique et qui va beaucoup t'aider ». Mais disons que c'est un peu paradoxal. Et peut-être que, ça c'est pas dit, mais c'est aussi un clin d'œil de Disney de tendre la main au fils de celui qu'il avait mis sur la paille. C'est purement de l'interprétation, mais disons que c'est un peu une belle histoire pour finir cette grande rivalité, quoi. Nicolas, sur 20 milieux sous les mers, et puis sur ce tournage qui est assez incroyable, et Fleischer qui est quand même quelqu'un qui innove en permanence aussi. C'est vraiment un novateur technique, il m'a parlé peut-être. Oui, oui, déjà parce que c'est le deuxième film de l'histoire en cinémascope, et Fleischer n'a pas pu profiter en quelque sorte du recul qui avait été fait par le premier, c'est-à-dire La Tunique, parce qu'il ne l'avait pas vu. Il a vu que quelques extraits qui ne trouvaient pas forcément extrêmement aboutis dans l'utilisation en fait, du cinémascope. Et donc, lui, il prend ce format qui est une vraie nouveauté, une vraie innovation, et puis il le prend à bras le corps. Alors, c'est vrai qu'en plus, pour lui... Donc, le cinémascope, oui, c'est l'écran panoramique rectangulaire, qui va être évidemment magnifié par le western et par les films à grand spectacle, les péplums aussi, par exemple. Et là, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans un huis clos. Tout se passe dans un sous-marin, ou presque. On est dans le Nautilus, pas de la première, mais voilà, de regard du film. Quoi. C'est ça. Mais en même temps, il y a un usage du cinémascope qui est assez extraordinaire, qui est pas seulement un usage technicien, il y a quelque chose qui est très significatif dans sa façon d'utiliser cet espace nouveau, et notamment pour filmer le sous-marin, parce que le sous-marin... C'est l'objet rêvé pour le cinémascope. Il est allongé, exactement comme le format rectangulaire.
Et puis, bon, après, pour ce qui est du récit en tant que tel, ce qui est intéressant avec Disney, c'est qu'effectivement, Disney le prend sous son aile, Fleischer. Hein, il va vraiment l'aider, lui donner des conseils. C'est vraiment pas un rapport de réalisateur à producteur comme on peut s'imaginer quelquefois, où c'est assez conflictuel. Pas du tout. Ce qui effectivement lui donnait quelquefois même un petit peu le sentiment de culpabilité chez Fleischer, parce que il appréciait beaucoup, voire il admirait Disney, alors que bon, voilà, Julien vient de l'expliquer, c'était quand même l'ennemi de la famille, quoi. Et puis voilà, après, un film extraordinaire pour plein de raisons, mais peut-être pour la scène qui est devenue cultissime, celle du poulpe géant. Qui a été tourné deux fois, parce qu'il y avait une première fois, ça se passait lors d'un coucher de soleil, ça tombait un peu à plat, parce que les tentacules, c'était un peu ridicule, quoi. Et Disney, quand il voit ça, il dit c'est pas possible, il faut trouver autre chose. Et Fleischer imagine de tourner cette scène pendant une tempête, dans l'obscurité, en pleine nuit. Donc du coup, ça brouille un peu les pistes et ça rend la chose assez spectaculaire. Mais ce qui est étonnant, dans la bio, on apprend que James Mason a failli se noyer. Il y a quand même, j'étais très surpris de cette bio, de voir toutes les petites anecdotes. C'est quelqu'un qui, comment dire, on est vraiment dans les coulisses et dans la machinerie en fait hollywoodienne, dans ce qui se passe, dans les rapports entre les comédiens, avec les stars, avec les producteurs, mais dans quelque chose de, on a l'impression qu'il n'en tire aucune gloire, mais que c'est un bon artisan, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et ça m'a énormément surpris, c'est-à-dire que par le menu, on a une sorte de presque une sorte d'homme ordinaire comme ça, mais qui est confronté à des égos surdimensionnés, que ce soit Kirk Douglas, John Wayne ou des producteurs qui sont complètement azimutés, mégalos, azimutés, oui, voilà. Non, mais Howard Hughes et tout ça, c'est des sortes de lubies comme ça, et lui, il observe ça, il dit bon, ok, d'accord, bon, si tu veux, on refait, on remet de l'argent. Mais, Nicolas, Julien, pardon, t'étais pas. Si, parce que ça, on a l'impression que c'est parfois des grands enfants qui s'amusent avec des millions de dollars. Enfin, pas trop Disney, mais Howard Hughes, il fait retourner des choses. Tout d'un coup, il a vu un acteur dans un film hier et il fait retourner toutes les scènes avec cet acteur. Puis il envoie un autre à un moment qu'il aime encore plus, donc il fait retourner une deuxième fois. Et Mitchum, qui tourne les scènes avec lui, devient fou parce qu'il a tourné quatre fois les mêmes scènes, dont des scènes où il se fait tabasser, donc il n'en peut plus. Et donc c'est des caprices. Et Fleischer. Mitchum, à un moment, il devient fou, il casse le plateau, il détruit tout le plateau. En plus, il est sous, il est ivre parce qu'il en a marre, il a tourné 25 fois la même scène, général, c'est débilitant. Aussi, oui, mais là, il avait promis qu'il ne le serait pas et il s'arrangeait pour tourner avant une certaine heure les scènes importantes, donc avant 17h. Et là, en fait, à 15h, c'était déjà un peu trop tôt et Mitchum avait un peu levé le coude. Et donc, au moment de la scène, au lieu de faire une cascade, en fait, il dégomme ces deux cascadeurs et plus la scène est répétée, plus elle devient délirante, donc ça devient un enfer et à la fin, il devient fou et il casse le plateau. Ouais. Et le lendemain, il est honteux, il s'excuse, mais il continue à tourner. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est que Fleischer, lui, il est très modeste. C'est un auteur, en effet, mais c'est quelqu'un qui ne se met pas du tout en avant, même dans ses mémoires. Il raconte beaucoup d'anecdotes. Et il est souvent maltraité par des égos plus reconnus et plus surdimensionnés. Walt Disney, qui encore est plutôt correct, mais Daryl Zanuck, après, qui souffle le chaud et le froid, ou alors John Wayne, avec qui il n'a pas tourné, mais qui a eu une influence sur sa carrière, ou alors Rex Harrison et tout ça, et il se met toujours en dessous. Ouais. Et en fait, peut-être que quelqu'un d'autre aurait eu des rapports plus conflictuels et serait fait plus respecter, mais n'aurait pas finalement fait les films. Parce que lui, ce qu'il adorait surtout, c'est tourner. Le seul moment où il paraît malheureux, c'est après Barabbas, quand il ne tourne pas pendant des années, quand il est en Europe. Et donc, en fait, il a tout fait pour continuer à tourner. Et il a eu cette modestie. Alors, peut-être, parce que c'est le fils de quelqu'un qui a été un espèce de génie et tout ça, donc naturellement, il a été un petit peu modeste, naturellement. Mais en fait, ça lui a aussi permis d'avoir une filmo extraordinaire, parce qu'il s'est fondu dans les projets. Il a tout de suite été partenaire, il n'a jamais imposé des exigences ahurissantes, et il a joué le jeu le plus possible. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi bien dans Rillington Place, Étrangleur de Boston, 20 milieux sous les mers, où c'est des films extrêmement différents. À chaque fois, il s'est adapté au projet, plutôt que d'arriver en disant « c'est mon film, je vais tout changer, tout refaire, comme auraient fait d'autres metteurs en scène ». Et il y a une petite anecdote avec Orson Welles, qui tourne pour lui dans un film de 59, « Le génie du mal », où Orson Welles lui dit « Ah, tu tournes la scène comme ça,
Oui, parce que là, en fait, on a un mur qu'on ne peut pas utiliser, donc je mets toutes mes caméras dans ce sens-là et je fais tout dans ce sens-là. Il dit, bah, tu vois, moi, si ça avait été moi, je leur aurais dit d'enlever le mur ou de tout changer. Et Fleischer lui dit à ce moment-là, lui dit, bah, c'est pour ça que tu ne tournes plus. Voilà. C'est pour ça que tu ne tournes plus et que moi je tourne. Et ça le résume bien. C'est-à-dire que c'est rare qu'il réponde comme ça, parce que là, peut-être qu'il en avait un peu gros sur la patate, mais en fait, lui, il fait ce qu'il faut pour faire avancer le Schmilblick et ça marche. Et donc, il est maltraité, mais ses films, il les enchaîne et ils sont tous quand même réussis. Kirk Douglas aussi, c'est très dur, mais à chaque fois, il lâche rien et il fait un film qui est très intéressant. C'est pas dur sur 20 minutes sur les mers, mais c'est dur pour les, sur les victimes. C'est très dur sur les victimes parce que Kirk Douglas est producteur. Oui, voilà. Donc, il est producteur et acteur. Donc, il décide de tout et il est dans chaque plan. Oui. Donc, c'est très, très dur. Et il veut être au tournage, centre, et il veut être au centre du plan. Au centre du plan tout le temps. Et le tournage est infernal à cause de la météo. Donc, ça en fait une expérience difficile. Mais se pose aussi la question de... Bah, c'est quelqu'un qu'on appelle aussi pour rafistoler des films, c'est quelqu'un qu'on appelle pour des projets, et il se pose la question un peu du style. Alors, il y avait cette remarque, cette question un peu acerbe de Danet qui disait Fleischer, cinéaste qui réussit tous ses films sans réussir une œuvre. Et c'est une question qu'on peut aussi se poser, c'est-à-dire que la nouvelle vague avait tranché peut-être là-dessus. Mais qu'est-ce que tu sur la question du style, sur la question du style de Fleischer, de la patte, de la signature. Il y en a une qui est très claire. Effectivement, il a jamais porté de projet. Le seul qu'il a voulu porter, il a pas pu. Ça a été un échec. Enfin, on lui a fait miroiter la possibilité au début des années 80 de faire un film qui lui tenait à cœur sur une révolte en Inde, qui n'a jamais eu, qui n'a jamais vu le jour. Et sinon, après, effectivement, ce sont que des projets sur lesquels il a été appelé. Néanmoins, il le fait remarquer à plusieurs reprises, hein, de manière très, très discrète, mais c'est une réalité. Il intervient quand même sur le scénario, il réécrit beaucoup de choses. Il travaille avec Earl Felton, hein, c'est ça, à plusieurs reprises. Enfin, c'est aussi un auteur, c'est quelqu'un qui écrit. Et il le dit à plusieurs reprises aussi à la fin de sa vie quand il fait des interviews, c'est un raconteur d'histoire. Alors ce ne sont peut-être pas les siennes à la base, mais n'empêche qu'il y a cette volonté de s'approprier une histoire. Et généralement aussi, quand même, il faut bien le dire, quand il accepte un projet, c'est qu'il y croit, c'est qu'il y voit quelque chose. Et s'il y voit quelque chose, c'est aussi peut-être cette part d'auteur qu'il a en lui, qui lui permet de se développer en sous-marin, en quelque sorte, hein, pour faire une référence à 20 mieux sous les mains. Mais de manière tout à fait... subtil, quoi, en fait, hein, constamment. Et ça lui coûtera d'ailleurs les films avec John Wayne, ce fameux film qu'il refuse de faire parce que l'histoire est mauvaise. Et ça, même si avec John Wayne on lui demande de faire, c'est un film de commande, il dit non, l'histoire est mauvaise, le scénario est mauvais, je le fais pas. Et John Wayne lui fera payer ça quelques années plus tard, et voilà, il aura cette réflexion en disant on ne refuse pas un film avec Duke, quoi. On refuse pas un film avec John Wayne, et John Wayne s'arrange pour lui faire payer ça. Oui, ben c'est une des cruautés du système hollywoodien auquel il a dû faire face, quoi. Et néanmoins, il y fait face. Je veux dire, c'est ça aussi son caractère héroïque. Il y a une réflexion très, très belle de Fleischer dans une interview à la fin de sa vie, dans les années 80. Enfin, fin de sa vie, non, il va mourir bien plus tard, mais en tout cas à la fin de sa carrière, où il dit « Moi, j'aime me sentir comme un héros ». J'aime me sentir héroïque, quoi, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il va accepter beaucoup de causes perdues, de films dans les années 80 qui, sans lui, n'auraient jamais vu le jour, ou en tout cas pas comme ça. Par amitié aussi. Par amitié, aussi par amitié bien sûr. Oui. Oui, alors amitié, tout est relatif. Parce que Dino De Laurentiis lui a quand même joué un sacré mauvais tour dans les années 60, parce qu'après Barabbas, il devait faire un autre film, et finalement, il lui a pu donner de nouvelles, et il a dû se réinventer lui-même. Ouais. Aller voir ailleurs, et ça a été son succès d'ailleurs, il a dû retourner à Hollywood, mais c'était parce que aussi il pensait qu'avec Dino De Laurentiis il allait pouvoir faire son fameux projet, ce qui n'a jamais été le cas. Et le style, pour revenir sur le style, évidemment, il y a un style Fleischer. On a tendance à dire que c'est un style qui est invisible, ce qui est idiot, parce qu'un style invisible, ça n'existe pas. Ou alors, c'est un plan fixe et ça bouge plus, quoi. Il y a un vrai sens du cadre, il y a une vraie utilisation de l'espace, il y a des choses qui se racontent dans tous les sens. Et tout sert une vision du monde qui est quand même très pessimiste et très dure, qui ne va cesser d'ailleurs de se durcir au fil des décennies. C'est pour ça que les années 70, il est complètement en phase avec ça. Voilà. C'est des années qui sont quand même très désespérées, la crise politique, le Vietnam, etc. Finalement, il n'a pas un wagon de retard, parce que ce regard désenchanté sur l'Amérique, il l'a depuis le début.
Il l'utilise depuis qu'il fait des films avec la RKO, depuis ses films noirs, et même tout au long de son parcours hollywoodien dans les 50. C'est dans 20 minutes sous les mers, le personnage de Nemo dans 20 minutes sous les mers, si vous ne l'avez pas revu, revoyez-le. C'est un personnage qui est ultra moderne et qui est ultra pessimiste sur l'avenir, qui dit que l'humanité est promise à tout polluer, tout détruire, à s'entretuer. Bon, il a eu tort, manifestement, mais c'est quand même un personnage magnifique et extrêmement sombre. Et pourtant... Représenté dans un film Disney avec un banjo en tortue et une otarie qui danse. Quoi. Oui, et puis l'élément un peu bondissant, dynamique, optimiste, c'est Kirk Douglas qui est là et qui a une sorte de soif. Je trouve, en plus, dans les castings, il y a une sorte de justesse comme ça, Peter Lorre, qui est un des personnages secondaires comme ça, qui a l'air de rien, absolument pas, mais qui est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des films très équilibrés. Des films où il y a vraiment quelque chose de très, très juste dans le scénario, dans l'écriture. C'est pour ça qu'il était considéré comme un professionnel, hélas. Enfin, c'était ça qu'on voyait chez lui, c'est-à-dire un savoir-faire à tous les niveaux, que ce soit dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la direction d'acteur. Et c'est vrai qu'il s'en sortait toujours très bien par rapport à ça. Bon, il a commencé sa carrière avant le cinéma en faisant du théâtre à l'université. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est repéré par les chasseurs de talent de la RKO lorsqu'il faisait des représentations dans le cadre de ses études avec des camarades étudiants. Et c'était dans les environs de New York, sur la côte Est. Et c'est là qu'il va être repéré par les chasseurs de talent hollywoodiens. Quoi. Donc il y a ce côté multicarte dans son cinéma qui le rend indispensable en fait, à une production. Mais au-delà de ça, au-delà de ce talent technique, on va dire, il y a aussi une vision d'auteur qui est permanente. Et c'est ce qui fait que 20 mieux sous les mers, c'est pas seulement un grand spectacle à Disney, c'est aussi quelque part un film politique, un film bien ancré dans son époque, qui parle de son époque. Hein. Jules Verne, à la base, lui, il parle de l'électricité, tout ça. On voit bien que l'élément de la modernité qui inquiète dans 20 mieux sous les mers de Richard Fletcher, c'est l'énergie nucléaire. C'est le nucléaire, bien sûr. Je suis pas complotiste, hein. mais il y a quand même une concordance avec l'actualité parce que il y a le premier sous-marin armé avec des armes atomiques, des missiles atomiques, qui s'appelle le Nautilus en Amérique, et ça date de cette époque-là. D'accord. C'est-à-dire il a été mis en chantier en 52 et il est en activité un peu avant la sortie du film. Donc c'est quand même un film qui est en prise avec son temps, bien plus qu'un film de costume, fantaisiste, science-fiction, et qui regarde vers l'imaginaire. Quoi. Si on fait un petit saut là, dans les années 70, là, on avait parlé de ces années tourmentées de l'Amérique, et comment c'est un... Peut-être Julien, là-dessus, ce sont quand même des films majeurs. 71. C'est la décennie la meilleure pour lui. C'est ses films les plus forts. L'étrangleur de Ellington Place, Soleil Vert, Les flics ne dorment pas la nuit, qui sont les meilleurs. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, parce que c'est sur la valeur d'un metteur en scène, c'est que ça se voit pas, mais qu'en fait tout le monde joue juste avec lui. Mm-hmm. Et en fait, lui, il guide tous les acteurs. Il est capable de guider Orson Welles, je veux dire, n'en fais pas trop là. Les gens, ils disent Orson Welles s'est dirigé tout seul, mais on voit la variété des performances d'acteurs majeurs. Richard Attenborough dans le L'étrangleur de Ellington Place, ils sont tous parfaits. Tony Curtis, qui jouait pas ça dans L'étrangleur de Boston, dans Les Vikings, c'est des choses qui sont tellement différentes, dans des registres tellement différents. 20 mieux sous les mers, c'est mal joué, c'est ridicule. Ils sont tous ridicules. Et en fait, ça tient souvent à pas grand-chose. Et lui, à chaque fois, il trouve le ton juste. Et c'est vrai qu'il est très exigeant aussi à l'écriture, c'est quand le scénario marche pas et qu'il insiste et qu'il veut intervenir et qu'on lui dit non parce qu'il n'y a pas le temps, parce que c'est comme ça, parce que la star l'a accepté et tout ça, et ben il refuse le film parce qu'il se dit ça va dans le mur, ça va pas marcher, et il a cette capacité à voir ça. Donc il a un immense talent. Et bon, dans les années 70, peut-être ça c'est toi qui pourras en parler le mieux, ça se plie plus à ce que lui il défend par ailleurs, mais on a des films qui sont extrêmement sombres. Moi, personnellement, enfin, c'est un pléonasme, pardon, personnellement, mon préféré, c'est Les flics ne dorment pas la nuit, qui est adapté de Wambo, qui est un auteur magnifique. Et le film est sublime. Il y a Stacy Keach, George C. Scott, qui sont absolument magnifiques dans ce film-là. Ça n'a absolument rien à voir avec les films des peplums historiques des années d'avant, etc. Ou alors ces films noirs des années 50. Et à chaque fois, c'est d'une justesse, et c'est extrêmement original par rapport à ce qu'il a fait. Et je pense que c'est ce que lui a cherché. Donc, on peut peut-être mettre les années 80 de côté, à part l'extrait que tu montreras sur Schwarzenegger.
Schwarzenegger et tout ça. Schwarzenegger est étrangement juste dans son registre de montagne de chair avec un costume, quoi. Je veux dire, il y en a qui l'ont fait depuis, qui n'ont pas été aussi crédibles. Il arrive quand même, après il l'a été avant, mais il arrive quand même à Brigitte Nielsen ou des acteurs comme ça à avoir un minimum, quel que soit le projet, à avoir un minimum de valeur là-dessus, quoi. Bon, excuse-moi, je n'ai pas répondu du tout à ta question. Non, mais c'est peut-être Nicolas, non, peu importe. Mais sur les années 70, peut-être sur Les Flics ne dorment pas la nuit, The New Centurion, ce qui est la chronique voilà, d'un commissariat, de flics, un peu plus, sorte de vétéran et un peu plus jeune. Et moi, ce film m'a impressionné. J'ai découvert en fait assez récemment. Et pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Il y a une sorte de mise à plat, comme ça, de la violence. De ce quotidien-là, et en même temps, il y a toute cette Amérique-là de la nuit qui nous est sociale, le rapport à l'homosexualité, le rapport au racisme, ça, ben, tout est évoqué comme ça, mais c'est pas tape à l'œil, tout ça, peut-être par Ah oui, bien sûr, c'est un film qui est précurseur, hein, qui va influencer tous les films de flics à venir, quoi, en fait, et peut-être même encore aujourd'hui. Et ce qui fait la tonalité très particulière de ce film, c'est cet aspect chronique, cet aspect très proche des gens, comme quasi documentaire. Et ça, c'est vraiment au crédit de Richard Fleischer, qui a commencé sa carrière au cinéma comme monteur pour réutiliser des moitiés de films, etc., dans des spectacles un peu de rétrospective. Mais surtout, il a aussi commencé à tourner des documentaires et des reportages dans la rue. C'est-à-dire qu'il a une grande dextérité, une grande connaissance du terrain, contrairement à beaucoup d'autres réalisateurs qui ont d'habitude que des studios. Et il y a plein de films qu'il a fait entre-temps, hein, qui sont tournés dans la rue. Je pense aux Inconnus dans la ville, par exemple. Il y a une partie en studio, il y en a beaucoup en studio, mais il y a aussi des extérieurs qui sont très très bien maîtrisés. Et dans Les Flics n'ont pas la nuit, c'est ce qui fait aussi... La grande qualité de ce film, quoi, c'est qu'on est sur le terrain, on est avec ces personnages, on les accompagne dans leur évolution, qui est plutôt une sorte de perdition, parce que c'est celle d'une Amérique qui est vraiment en train de s'effondrer, quoi. On assiste au quotidien de ces flics, mais on assiste à l'effondrement du rêve américain qui laisse percevoir, à travers toutes ces fissures et toutes ces failles, les névroses et la faillite, en fait, de son système. C'est ça qu'enregistre, en quelque sorte, ce film, et en mettant des personnages absolument sublimes au premier plan, quoi. Et puis, en plus, on y retrouve, évidemment, une des thématiques qui est très chère à Fleischer, c'est la filiation. Qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de ses films. Peut-être que c'est lié sans doute au rapport qu'il avait avec son père, même si c'était un rapport de père-fils très aimant, très, très en harmonie l'un avec l'autre. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de problème d'ego ou d'affrontement quel qu'il soit. Mais par contre, dans ses films, il y a toujours un problème de filiation. Il y a toujours des choses qui ne sont pas réglées ou des choses qui génèrent du conflit. Les Vikings. Voilà. Et dans Les Flics, dans Pas la nuit, il y a un peu ça. Il y a une transmission qui est faite entre un vieux briscard et un jeune recrue et qui vont se faire passer comme relais, non pas le sens du devoir ou une sorte d'amour de leur profession, mais plutôt leur propre échec, oui. Leur propre faillite. Et c'est un des aspects qui font de ce film une merveille absolue. Mais au-delà du côté pessimiste... Le traitement de la violence aussi, le traitement de la violence. Oui. Moi, j'avais rarement vu ça, une façon comme ça, très à plat, absolument pas complaisante, très rapide, très sèche. Alors ça, c'est quelque chose qui est propre depuis très longtemps, parce que même dans les films noirs des années 40, on retrouve cette violence qui n'est pas une violence gratuite, effectivement, qui est quand même graphique. Il y a une mise en scène de la violence qui est quand même toujours appuyée, spectaculaire et qui frappe vraiment le spectateur, parce que on est au milieu de l'action. Et dans le cas aussi, la scène de la bavure, tout va très vite, il n'y a absolument rien de complaisant, on est sonné autant que le personnage l'est. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue là. Bon, la scène des émeutes aussi est assez extraordinaire, avec la course-poursuite, qui bascule d'ailleurs, c'est là où le film bascule. Alors là, c'est une scène sur laquelle je me suis interrogé, je me suis dit, mais ça, est-ce que c'est une demande du producteur de la scène où il est sur le capot de la voiture à la fin, tout ça. Et j'ai trouvé ça
très, presque too much quoi, par rapport au ton du film. Ceux qui n'ont pas vu le film peut-être peuvent se dire que c'est une tragédie totale, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Oui. Il y a beaucoup de passages comiques. C'est ça qui en fait une chronique plutôt qu'une tragédie ou un drame au sens propre du terme. Donc il y a beaucoup d'humour et ce passage sur le capot en fait partie. Hein. Mais je trouve que c'est assez cohérent avec ce qui se raconte, c'est-à-dire un personnage qui part en vrille et qui n'a plus d'attache avec la réalité. Alors s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas. Ouais, on va peut-être préparer un extrait du Génie du mal. Peut-être nous le présenter, le temps qu'on passe. On a eu le droit d'amener un extrait chacun. Alors moi, j'ai amené un extrait de mon film préféré. On les flics ne dorment pas la nuit. Ouais. J'ai un extrait qui fait 85 minutes. Non, c'est un film de 1959, justement à la fin de sa période à Hollywood où il regagne du confort parce que le film est un grand succès. C'est ça, ouais. Critique et commercial. Et c'est juste après ce film qu'on lui propose un long métrage avec John Wayne, dont le scénario est nul, qui refuse de faire, et donc il se grille à nouveau à Hollywood, obligé de partir en Europe. Donc c'est une jonction de sa carrière. Et c'est un film qui est inspiré d'un roman à succès, d'un best-seller qui a été acheté par Zanuck et que son fils produit, donc Richard Zanuck, fils de Daryl Zanuck, produit, lui aussi fils d'un grand producteur et qui deviendra grand producteur par la suite. Et c'est l'histoire d'un fait divers. Qui a marqué l'Amérique au fer rouge, qui date des années 20, je crois, qui est l'histoire de deux jeunes hommes de Chicago, Léopold et Loeb, qui ont assassiné un gamin totalement gratuitement, sans aucune raison, juste pour prouver qu'ils n'étaient pas sujets aux lois qui régissaient les autres hommes. Donc un assassinat qui est nietzschien, en disant on est des Übermensch, on fait ce qu'on veut, on ne sera pas arrêté par la loi parce qu'on est trop intelligent. Ils ont des QI stratosphériques tous les deux, ils ont 18 et 19 ans, ils sont amants, et ils sont totalement incompétents en termes criminels, ce qui est déjà un sujet intéressant. Et Fleischer adapte le livre et s'intéresse beaucoup à la psychologie, bien sûr, des deux criminels, qui sont très facilement quantifiables au rang de démons ou de monstres et tout ça. Et au contraire, il va essayer de montrer à quel point ils sont fragiles et à quel point les errements de l'adolescence peuvent donner ce genre de choses-là. Et ils sont défendus, et c'est une histoire réelle, ils sont défendus... Pour un procès peine de mort où tout le monde veut leur tête, ils sont défendus par un brillant avocat qui s'appelle Clarence Darrow et qui est joué par Orson Welles, qui donc lui est à la fin, de l'autre côté disons de la colline déjà à ce moment-là, plutôt sur la fin de sa carrière. Et donc je voulais vous montrer la plaidoirie qui est un peu longue mais qui est magnifique, et c'est le début de la partie un peu anthologique de cette plaidoirie, et donc vous arrêterez quand ce sera trop long. Elle dure 10 minutes, c'est un peu long, je reconnais, mais bon. Your Honor, I've been practicing law a good deal longer than I ought to. Anyhow, for 45, 46 years, during all that time, I've never tried a case where the state's attorney did not say it was the most cold-blooded, inexcusable case ever. Certainly there was no excuse for the killing of little Paulie Kessler. There's also no reason for it. It wasn't from spite or hate or for money. It's a great misfortune this case is money. If Your Honor should doom these boys to die, it would be because my parents are rich. I hope I don't need to mention that I'll fight as hard for the poor as for the rich. If I'd come into this court alone, two ordinary and obscure defendants who done what these boys have done, I have been all this weirdness and notoriety, this sensational publicity. I said, Your Honor, I'm willing to enter a plea of guilty and let you sentence them to life imprisonment. Do you suppose the state's attorneys would raise their voices in protest? There's never been a case in Chicago on a plea of guilty a boy under 21 has been sentenced to death. Not one. Yet for some reason, in the case of these immature boys of diseased minds, as plain as day. They say you can only get justice by shedding their last drop of blood. Isn't a lifetime behind prison bars enough for this mad act? And must this great public be regaled with a hanging? For the last 3 weeks, I've heard nothing but the cry of blood in this room. I've heard nothing from the offices of the state's attorney but ugly hatred. For God's sake, are we crazy? Hang these
could not help but bow down to public opinion. It was cruel a speech as he knew how to make. The state's attorney has told his court that we're pleading guilty because he's afraid to do anything else. Well, of course, I'm afraid to submit this case to a jury. The responsibility must be divided by 12. No, Your Honor. These boys must hang. You must do it. It must be your own deliberate, cool, premeditated act. The state's attorneys laughed at me for talking about children's fantasies. The boys, you know, about childhood were right. Is there any one of us who hasn't been guilty of some kind of delinquency in his youth? How many men are there here today? Lawyers and congressmen, judges, and even state's attorneys who haven't been guilty of some kind of wild act in youth. If the consequences didn't amount to much and we didn't get caught, that was our good luck. This was something different. This was the mad act of two sick children who belong in a psychopathic hospital. Do I need to argue it? Is there any man with a decent regard for human life? And the slightest bit of heart that doesn't understand it? We told him it was a cold-blooded killing because they planned and schemed. Yes, but here are officers of the state who for months have planned and schemed and contrived to take these boys' lives. What about scheming? Your Honor, I've become obsessed with this deep feeling of hate and anger. I've been fighting it, battling with it, and it's fairly driven me mad. What about this matter of crime and punishment anyway? Through the centuries, our laws have been modified. So now men look back with horror at the hangings and killings of the past. It's been proven. But as the penalties are less barbarous, the crimes are less frequent. If I need to argue with Your Honor that cruelty only breeds cruelty. Every religious leader who's held up as an example has taught us that if there's any way to kill evil, it's not by killing men. If there's any way of destroying hatred and all that goes with it, it's not through evil and hatred and cruelty. It's through charity and love. Bah, cet extrait, parce que c'est Orson Welles dans son génie le plus total d'acteur, hein, dont on se lasse pas, et puis pour ce que ça raconte aussi, parce que le discours a pas vieilli, je trouve, surtout par les temps qui courent. Il y a une anecdote, je crois, sur le. Et puis voilà aussi, parce qu'il en parle longuement dans ses mémoires, parce que c'est un moment très difficile. Orson Welles a des problèmes avec le fisc à ce moment-là, donc il est là pour une semaine aux États-Unis pour tourner un tiers du film. Donc il faut vraiment pas perdre de temps, et ça c'est le grand morceau de bravoure de ça. Il y a beaucoup de scènes de contre-interrogatoire, beaucoup de scènes de préparation du procès. C'est un film qui ressemble un peu à Entre ici et l'enfer de Kurosawa. C'est le fait criminel, l'arrestation, l'enquête et le procès. Donc il y a différents mouvements dans le film, et Orson Welles c'est dans la moitié, donc il faut vraiment pas rater cette partie-là. Et donc ça c'est le grand moment. Et Orson Welles, qui est lui-même réalisateur accompli, a un peu un traitement de faveur avec Richard Fleischer et lui demande, pour cette plaidoirie qui va sortir d'un seul trait, vous avez vu, il y a plein de valeurs de plan, mais tout est tourné à plusieurs caméras, plus ou moins en une fois, enfin, en une fois d'ailleurs, quoi. Et il demande de pouvoir se préparer seul, dans le décor, sans personne, pour pouvoir prendre ses marques, avoir ses repères et pouvoir tout sortir comme il faut. Et là, vous avez à peu près la moitié du discours. On voyait que c'est quand même assez long. Et il y a toutes les variations possibles pour l'acteur. Il y a le coup de gueule, il y a le moment où il est très, très, très bas, etc. Donc il y a une variation, on dit range en anglais, mais c'est vraiment un mot qu'il ne faut pas utiliser en français. Et donc c'est très difficile, et il le fait avec la complicité de Fleischer. Et pour l'autre petite anecdote, c'est un homme qui est d'une timidité maladive, Orson Welles, quand il joue, et il ne veut pas croiser le regard des gens. Ouais, c'était ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous voyez dans ce plan des gens qui lui font face, ils sont tous comme ça. Ils ont tous les yeux fermés. Ils regardent une assistance qui a les yeux fermés. Et Fleischer se dit, ça doit quand même être quelque chose. Et une fois, avant, il va derrière pour voir ce que ça fait de sortir un speech comme ça face à un public qui ne le regarde pas. Et notamment le procureur, dont j'ai oublié le nom,
qui le regarde très souvent. À chaque fois, lui, sur les plans où il est très, cadré très près de dos, ne regarde pas Orson Welles, qui pourtant, lui, le regarde. Donc c'est à la fois le brio du découpage du réalisateur qui n'a qu'une prise pour faire ça et qui le monte magnifiquement bien, le brio de l'acteur qui arrive à tout concentrer en une seule prise aussi, et puis la complicité et la bienveillance de tous les acteurs qui se mettent tous dans le même bateau pour essayer de sortir cette scène en un temps record. Vu le minutage que ça fait à l'écran et le temps de tournage, c'est assez exceptionnel. On pourrait croire que c'est une semaine de tournage avec 40 000 prises, ce qu'auraient fait plein de réalisateurs sans que ce soit d'ailleurs déméritant. Là, ça a été fait extrêmement vite par des grands professionnels. Nicolas, des questions ? S'il y en a, n'hésitez pas. Sur des films ou... Oui. Donc, juste une remarque par rapport au fait que, qu'il y ait quand même des thématiques assez fortes dans l'œuvre de Fleischer, c'est que cette obsession qu'il a sur la nécessité d'abolir la peine de mort, parce qu'il en est question aussi dans Really Don't Place, ça me paraît étonnant, venant de quelqu'un qui ne fait qu'accepter des projets qu'on lui propose, qu'il y ait cette régularité de thématique, disons. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Après, je pense que Richard Fleischer était plutôt un homme de gauche à ce sens-là. Ça veut dire qu'il avait, il croyait profondément à l'abolition de la peine de mort et à l'amélioration de la société. Il a un de ses amis, dont j'ai oublié le nom, mais tu t'en souviendras, qui a été sur la liste noire. Et lui ne l'a pas été. Et il ne l'a pas été parce que peut-être qu'il ne s'est pas engagé politiquement alors que d'autres se sont plus engagés. Mais je pense que c'est des films qui résonnent particulièrement en lui parce que ça correspond à ses convictions. Après, dans ses mémoires, parce que moi je ne connais que ça, il ne dit pas qu'il a recherché activement ces projets-là. Mais je pense que quand ces projets lui sont arrivés, il en a aussi refusé beaucoup. C'est des projets dans lesquels il s'est investi particulièrement. Et lui, qui est très modeste, trouve que ça, c'est un bon film. Et quand Orson Welles a voulu un peu le rabaisser un moment en disant « Oui, tu as fait un bon film parce que tu as eu un acteur génial au sommet de sa gloire », parlons de lui-même, il lui a dit « Non, c'est parce que j'ai fait un bon film et même toi et tout ton ego ne pourront pas me faire croire que ce film est moins bien que ce qu'il n'est ». Donc je pense que vous avez raison, c'est quelque chose qui lui plaît particulièrement. Par contre, je ne peux pas vous dire, moi, tu le sauras peut-être, s'il a vraiment activement recherché ce genre de projet parce que ça lui parlait. Bon, tout porte à le croire, vu que c'est ce qu'on peut faire comme bilan quand on regarde sa filmographie. Effectivement, il y a des thèmes qui reviennent très régulièrement, celui sur la peine de mort en particulier, mais en fait, tout un panel de sujets qui montrent que c'est un profond humaniste, en fait, à Hollywood. Et ce, dès le départ, hein, avec un premier film, Child of Divorce, qu'il coécrit, qui est un vrai projet pour le coup qui est porté en partie par lui, et où il y a à peu près tout, c'est-à-dire la faillite du modèle de familial américain, le fait de porter sur les épaules des nouvelles générations les péchés, en quelque sorte les fautes ou les erreurs des générations précédentes. Parmi ces erreurs-là, il y a évidemment la peine de mort. Enfin, je pense que ça rejoint une galaxie, en quelque sorte, thématique qui lui correspond en fait à son humanisme. C'est ça qu'on peut peut-être supposer. Mais là, ce n'est que des suppositions. C'est vrai qu'il n'a jamais été très enclin à parler de son travail en ce sens-là. Les mémoires, c'est des anecdotes qui sont savoureuses, même quelquefois un peu tragiques, enfin tragicomiques en tout cas. Mais jamais, en fait, il va porter de jugement sur son film ou il va expliquer la démarche qu'il a eue sur tel ou tel film. Cette modestie, c'est celle qui l'amène justement à laisser ce travail-là au spectateur et aux éventuelles critiques, même si ils n'ont pas été forcément très, très présents au rendez-vous de son vivant, en tout cas. Mais je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose qui est très propre aux cinéastes américains. En général, c'est plutôt très français ou très critique française de vouloir à tout prix déterminer des auteurs, des styles. C'est la fameuse politique des auteurs. Et c'est vrai que les cinéastes américains sont toujours très surpris. Il y a quelque chose de pas très réflexif par rapport à ça, par rapport à... On fait les choses comme elles viennent, les unes après les autres, mais vouloir à tout prix avoir une cohérence, c'est le travail de la critique ou c'est le travail des historiens. Mais Il n'y a que Hitchcock, en fait, pour
faire cette démarche-là, mais lui, il n'est pas américain. Oui, voilà. Et ça explique. Oui, oui. Et ça rentre dans une logique peut-être de fond qui était de chercher une légitimation, une légitimité, pardon, par rapport à son travail. Ce que les autres ne cherchaient pas, parce que l'important, c'était de travailler pour voilà, eux. Voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est une logique purement américaine. Mmh. Et en ce sens, c'est un vrai américain, Fleischer. Alors, j'aimerais qu'on parle de Mandingo quand même, qui est un film que, voilà, choc pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bon, évidemment, je vous conseille de le voir, qui a été réédité là, dans la collection que dirigeait Jean-Baptiste Auray. Film sur la période de la traite négrière, film d'une violence absolue, et en même temps, un film qui lui a coûté beaucoup. Il s'est fait éreinter, il s'est fait traiter de réac, un film mal compris à sa sortie. Et alors qu'aujourd'hui, peut-être parlez-nous-en tous les deux de l'histoire de ce film, de sa construction et puis de sa réception. C'est un film adapté d'un roman à succès dont je ne sais plus l'auteur, mais bon, tout est dans le livre. Et c'est une sorte d'autant on emporte le vent négatif. Jean-Baptiste Auray, dans les suppléments à Mandigo, son édition, il a intitulé son intervention Autant on emporte le sang. Et c'est exactement ça. C'est un autant on emporte le vent. Décrépit, sale, glauque, crasseux, violent, érotique, mais alors érotique louche. C'est du Zola dans l'Amérique sudiste, quoi, en quelque sorte. Et ce film-là a un énorme succès public à l'époque. Ah oui, énorme succès. Ouais, ouais, quand même. Enfin, énorme, toute proportion gardée. Hein. C'est un miroir de l'Amérique, d'une violence. Oui, mais alors ça rentre dans une vague de fond qui est celle de la Blaxploitation. D'accord. Et d'ailleurs, c'était la volonté du producteur que d'essayer de s'inscrire dans cette mouvance-là, ce qui n'est pas le cas. Hein. Et on ne peut pas dire que ce soit très funk et très groovy. Déjà parce que c'est un film historique. Et pas un film qui se passe dans le Bronx ou dans le milieu urbain américain des 70. Mais néanmoins, c'est un film qui va amener beaucoup de spectateurs en salle, sans doute justement par son côté un peu sulfureux. Donc le succès public est là, mais par contre c'est la critique qui le descend en flèche, parce qu'elle y voit des relents racistes. Ce qui est, quand on regarde le film aujourd'hui, complètement absurde, parce que c'est un film qui est entièrement porté par une critique du racisme et de la traite négrière. Mmh. Avec des portraits de personnages blancs. C'est des branches pourries, quoi, oui, à tous les sens du terme. Ils sont tous handicapés. Ils ont tous des tares, quels qu'ils soient. Ils sont malades. C'est pas quelque chose qui est du domaine du physique, c'est au niveau moral. Il y a visiblement beaucoup de névrose, quoi, hein, dans cette famille et dans les familles blanches de manière générale. Donc vraiment, c'est un film cauchemardesque qui est très anxiogène en quelque sorte et qui est d'une violence inouïe, mais qui du coup est très représentatif de ce que peut offrir le cinéma américain des 70 à l'époque. On voit toute la fascination pour le corps noir, pour le sexuel, la violence, les combats mandingues. Il y a toute cette... Tout ce qui est perversion y est. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Du début jusqu'à la fin, une sorte de dérive perverse comme ça qui est accomplie dans le récit, jusqu'à une conclusion en apothéose qui est absolument démentielle, hein, de violence, de cruauté, et en même temps avec une vision évidemment très désenchantée et tragique, quoi, qui est portée sur le destin de chacun des personnages. Et le début du film et la fin... C'est à peu près le même plan, c'est-à-dire la vue du domaine de ces maîtres blancs dans un cadre de nature qui semble être à l'abandon total. On croirait presque une maison abandonnée un siècle après les faits. Et on pourrait très bien voir Mandigo comme un film de fantôme, quoi. Un film de fantôme, mais les fantômes de l'Amérique avec tout ce qu'il y a comme...
comme inconscient, entaché de crimes et de fautes, quoi, et de culpabilité. De part et d'autre, d'ailleurs, hein, parce que y a aussi... on voit bien aussi comment certains Noirs se comportaient, et c'est pas toujours très glorieux. Mais c'est surtout les Blancs, évidemment, qui sont montrés dans toute la perversion de leur rapport à l'autre, quoi, en fait. Et sur le sujet, j'ai l'impression que le film est un peu indépassable par d'autres films qui ont été faits, ou des parodies, ou des choses. Personne n'a fait mieux, ouais. Voilà, ou personne n'a fait pire. Ça dépend, mais en termes d'ambiance et de brutalité du discours, on peut pas faire mieux. Quand aujourd'hui on fait des films qui réhabilitent la cause noire, etc., 12 Years a Slave par exemple, c'est très gentil, quoi. On a l'impression d'avoir un film de Disney comparé au film de Fleischer. Mais ce film lui coûte cher. Oui, alors voilà. Alors déjà, lui... Julien, peut-être... Non, vas-y. D'accord. Déjà, lui, il est très déçu de la réception de ce film, dans laquelle il a quand même mis beaucoup. C'est pas un petit film, quoi. Il dure plus de 2 heures, même largement plus. Et puis c'est une énième déception, c'est-à-dire qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y en a une à chaque décennie. Normalement, avec l'énigme du Chicago Express en 51, il aurait dû passer directement réalisateur star. Finalement, la production le retard de la sortie, on l'oblige à tourner un film, enfin du moins de finir un film. Tu devais racheter par un fou. Oui, voilà, Howard Hughes qui. En fait, l'énigme du Chicago Express, voilà. Quand Howard Hughes voit le film, il se dit qu'il est tellement bien qu'il mériterait d'autres acteurs. Et donc, du coup, il veut retourner le film avec Robert Mitchum et Jane Russell, sans doute, hein, je crois. Et sans Richard Fleischer, c'est ça la cerise sur le gâteau, quoi. Donc lui, il est fou, hein, Richard Fleischer, évidemment, on le sera à moins. Bon, il réussit à négocier avec Howard Hughes, à la condition donc qu'il finisse un film. En fait, c'est pas qu'il le finisse, c'est qu'il fasse une autre fin que celle qui était prévue. C'est le fameux film Infini de rire, avec la bagarre, avec Robert Mitchum qui casse tout dans le décor. Oui. Et c'est vrai que la fin du film est extraordinaire, hein, c'est une sorte d'énorme bagarre grandiose sur un bateau. Mais c'est, avec, non, c'est le film avec Rita Wurst. Non, c'est pas. Non. C'est avec Robert Mitchum, mais je ne sais plus qui. Ouais. Ouais, voilà. Oh, et donc voilà. Après, il repart à zéro. C'est là qu'il se reconstruit, qu'il va pouvoir faire 20 milles sous les mers. Il se fait un petit chemin à Hollywood dans les 50. Il fait Le Génie du Mal, qui est une consécration. Il y a quand même le prix de l'interprétation à Hollywood pour les 3 acteurs principaux. Ouais. Donc pour lui, pour Cannes, pardon, ouais, pas vol. Bon, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et après, il y a cet écueil avec John Wayne. Donc, rebelote, il se réinvente, il se reconstruit jusqu'à Docteur Doolittle, hein, qui est... Max Harrison. Dino De Laurentiis. Voilà. Dino De Laurentiis le trahit, vient Hollywood, rappelé par Zanuck. Et ensuite, avec Voyage Fantastique, qui n'est pas son plus grand film, mais qui est un film qui a un énorme succès, donc ça le remet... en selle, disons, puis après il continue, et après il va jongler un peu entre, si je m'abuse, entre l'Europe et les États-Unis. Il va avoir enfin un petit peu de confort, et puis après t'en arrives à Mandigo, qui est en 75, c'est ça, 75, ouais. Et là il pensait avoir fait un grand film, enfin ce que c'est, hein, d'ailleurs c'est un grand film, sauf que il est pas vu comme tel, et on a l'impression qu'à partir de là il y a une forme d'abandon. Même s'il veut continuer à tourner, évidemment, que ça lui tient à cœur, continuer à travailler, il n'y met plus la même passion, en quelque sorte, dans le sens où les films sont quand même largement moins bons qu'auparavant. Oui. Mais il y a toujours des choses qui restent, qui se poursuivent, qui se prolongent. Mais Mandigo, c'est vraiment le coup d'arrêt, quoi. Quelque part, c'est là où il se dit je serai jamais un réalisateur peut-être reconnu, je serai jamais un réalisateur installé, j'aurai jamais ma carte à Hollywood. Donc à quoi bon, je vais me contenter de sauver des films, souvent des films qui ont été commencés par les autres, qui n'ont pas réussi à être menés à bien. Et lui, il va le faire, et ça va être sa seule satisfaction en quelque sorte. Donc les années 80, donc on va peut-être montrer cet extrait-là de La Force de Vaincre, donc Tough Enough. 83, Amityville 3D. 84, Conan le Destructeur. 85, Kalidor. 89, L'Appel de l'Espace.
Bon, c'est pas assez. Il y a millions de dollars. Oui, il doit manquer peut-être un, mais c'est, voilà. Ce qu'il dit, c'est que contrairement à plein de ses contemporains, il a eu la chance de travailler dans ses vieilles années. Il dit, beaucoup de mes amis et de mes contemporains étaient à la retraite depuis longtemps. Moi, on me filait encore des films. Donc, c'est peut-être sa modestie naturelle, mais il a duré extrêmement longtemps. Il est mort 20 ans après, en 2006, mais il a pu bosser très, très tard. Donc, de 46 à 89, c'est ça ? Voilà. Et quand il est mort en 2006, c'est Schwarzenegger, qui était gouverneur de Californie, qui a fait son éloge funèbre, parce que c'était avec lui qu'il avait tourné deux de ses films. Donc de Betty Boop à Schwarzenegger, quand même. Richard Fleischer, voilà, c'est le 20e siècle de la pop culture. Bah moi, j'ai choisi de passer un extrait, évidemment, des années 80, vu que c'est les années qui ne sont pas aimées de Fleischer. En fait, c'est très difficile de choisir un extrait parce qu'il y en a tellement. Donc plutôt que d'en choisir un très bon et très fort, je voulais en chercher un plus léger. Et Tough Enough, c'est un film qui date de 82 et c'est sans doute le seul film vraiment personnel, en tout cas pour lequel Fleischer avait un amour réel, véritable, et pas seulement une fierté de technicien. Et c'est l'histoire d'un jeune type qui veut être chanteur country et qui, par la force des choses, va devoir s'inscrire à un concours de boxe amateur. C'est interprété par Dennis Quaid dans les toutes jeunes années de sa vie. Ah bah, c'est Tough Enough. Ouais, c'est QH. Voilà. Et c'est le début du film. I thought I knew what that would mean.
guitar. And there ain't no taking back. Pourquoi cette ouverture de film ? Alors, je précise que le film est épuisé, malheureusement. Les deux films qu'on a vus... C'est pas qu'il est épuisé, il n'a jamais existé. Ah, si, il a existé en VHS dans les années 80. En VF, là, il est en VO, mais non sous-titré. Mais bon, je pense que grosso modo, l'action est compréhensible. On s'était pas mis d'accord sur les extraits avec Julien, mais c'était évidemment pour faire écho avec la plaidoirie. On a de nouveau une salle avec une audience, avec un jury aussi, on pourrait le dire. Hein, sauf que l'objet du jugement, ce n'est pas la peine de mort, c'est un t-shirt, enfin c'est un concours de t-shirt mouillé, et c'est un concours de chansons country. C'est deux salles, deux ambiances, hein, très clairement. Néanmoins, malgré la légèreté apparente de tout ça, il y a plein de choses qui se racontent, en fait. D'abord, c'est le troisième film que Fleischer fait qui a comme sujet le spectacle. Parce que après Mandigo, il a fait un film qui s'appelle The Incredible Sarah sur Sarah Bernhardt. Qui n'est pas un grand film, mais qui est un film très agréable, biographique, sur une partie de la carrière de l'actrice. Il y a un film entre deux Ashanti, on ne va pas en parler. Et après, il y a The Jazz Singer, c'est-à-dire chanteur de jazz, le remake du fameux film muet, avec Neil Diamond. Et là, donc, on est avec ce personnage d'aspirant chanteur, qui essaie de tracer sa voie en dépit d'un public qui n'est pas toujours très réceptif. Il y a une partie de l'assistance dans le bar qui a l'air d'être assez agréablement portée par la chanson, mais il y a les trois abrutis là, qui ne cherchent qu'à contrarier en fait la prestation. On pourrait y voir une sorte d'allusion à l'existence de Fleischer, quoi, quelqu'un qui a voulu faire aussi le show quelque part, sauf que c'était pas devant la caméra, c'était plutôt derrière, et il y a toujours eu des abrutis pour essayer de l'en empêcher. Et le fait que ça se termine par une bagarre, c'est-à-dire qu'ils sortent de scène et puis qui rouent de coups de poing les trois rednecks, là, on peut le voir comme une sorte de revanche métaphorique, hein, de Fleischer sur les idiots de producteurs qu'il a rencontrés au fil de sa vie. Mais on pourrait aussi se demander si c'est pas une sorte de métaphore du spectacle comme... Comme instrument de violence, quoi, quelque chose de violent en tout cas, violent pour ce qu'on représente sur scène, parce que je vous rappelle que par la suite du film, il abandonne plus ou moins son rêve de devenir chanteur pour être boxeur amateur, c'est-à-dire qu'il troque un spectacle basé sur la musique pour un autre qui est basé sur la violence, et ce basculement, c'est comme s'il apparaissait ici. Quand il sort de scène pour taper les trois moustachus. Et donc, est-ce que c'est pas aussi une réflexion de Fleischer sur le cinéma, quand on le fait, quand on le fabrique, c'est quelque chose d'extrêmement violent, qu'il faut encaisser les coups, en quelque sorte, et quelquefois les rendre, comme c'est le cas ici. Donc il y a une chose qui pourrait être racontée de cette façon-là. Puis il faut noter qu'au générique, vous avez peut-être remarqué qu'on ne voit pas directed by Richard Fleischer, mais par Richard O. Fleischer. C'est-à-dire c'est son nom complet, c'est un nom qu'il a abandonné très vite en fait, dans sa carrière. Je crois qu'il a signé qu'un film ou deux avec ce nom-là. Et le fait de revenir en 82, c'est-à-dire presque 40 ans après son premier film, à son vrai nom,
à son nom complet, c'est pas un hasard non plus. Et il le fera pas après. Hein. Dans Amity Civil, c'est Richard Fletcher, c'est plus Richard O. Fletcher. D'accord. Donc il y a vraiment un rapport assez intime, je pense, dans ce qui se raconte dans ce film-là. Et cette violence, en fait, on la voit à tous les niveaux, même par rapport au concours de t-shirt mouillé, ça fait sourire, mais quelque part, est-ce que c'est pas une forme de violence aussi qui est imposée au corps féminin, de s'exhiber constamment devant des regards a priori bienveillants, mais essentiellement concupiscents. Oui. Alors que c'est un homme, Richard Fleischer, qui a toujours eu beaucoup de respect pour les femmes, en tout cas pour les personnages féminins qu'il a mis en scène. C'est un très beau personnage féminin. On ne s'imagine pas un seul instant en regardant ces films qu'un jour on verra cette scène-là. Oui, oui. Surtout avec ce gros plan à un moment donné. Enfin bon. Donc il y a aussi une violence qui est dont les femmes sont sujettes. Et après, il y a la violence qui subit sur scène et qui fait intervenir l'argent, qui fait intervenir aussi une part de sexualité simulée avec la bouteille de bière qui... comment dire, dont la mousse est éjaculée sur le personnage, quoi, en quelque sorte. Et puis, le hamburger qui est jeté avec le ketchup qui lui laisse comme une trace de sang, en quelque sorte. Et donc, c'est toute une invitation, en fait, à la violence comme spectacle qui est montré dans cette entrée en matière. Et il va pouvoir devenir objet lui-même du spectacle et devenir une star en assumant finalement cette part de violence dans le reste du film. Et c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement violent. Les combats sont très forts, quoi, très réalistes. Et on retrouve le Fleischer très brutal qu'on connaît depuis les années 40 et qu'on a vu aussi dans Les Filles qui ne dansent pas la nuit, par exemple. D'accord. Bon, bah, ça donne envie encore. Voilà. Il y a toujours des... Même c'est son dernier. Ouais, c'est son dernier grand film. Ouais. C'est son film assumé, quoi, en tout cas. Bon, après, il y a Conan le Destructeur. Il y a de la bagarre, mais c'est pas pareil. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste un mot. Il a toujours été quand même... On disait, il se fond dans son sujet. Vous avez vu deux extraits. Il y a Chicago, années 20, au milieu de la classe supérieure des États-Unis, des intellectuels. Et puis là, le Texas, années 80, au milieu des rednecks. Et la mise en scène n'est pas la même. Et il ne représente pas les gens de la même manière. Donc on se dit, quel est le style? Comment renouer? Et en fait, ils s'adaptent, ils se font dans le sujet. Ils trouvent toujours quelque chose à dire. Moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis et que ça sent le truc personnel. Mais il adapte toujours sa patte à son sujet. Et c'est pour il ça est dans que son c'est... Époque, quoi. Et la vulgarité du plan, où on voit les gros seins au premier plan et tout ça, c'est vrai que il ne l'aurait jamais fait dans un autre film. C'est fait dans les Fast and Furious sans aucune raison, totalement gratuitement. Ici, c'est fait parce que ça parle de quelque chose de très particulier. Donc il y a vraiment une différence entre la vulgarité qu'on voit là et puis la vulgarité qu'on voit souvent. Parce que ce plan, on a l'impression de l'avoir vu 40 fois. Ouais. Mais en fait, ici, il raconte autre chose. Donc c'est tout à l'honneur du vieux Richard. Bon, bah non, mais ça confirme que c'est un réalisateur d'une richesse inépuisable, je ne sais pas, mais qu'il faut revoir ses films sans aucun doute. On en a sélectionné certains, c'est ceux qui restent. On n'a pas Génie du Mal qui est épuisé, malheureusement. Toffinoff également. Mais bon, il y a Mandingo, il y a Les Filles qui ne dorment pas la nuit. C'est vraiment des incontournables. On n'a pas parlé de tout. Il y a Soleil Vert, évidemment. Donc, il y a voilà, Les Vikings. Les Vikings, les Vikings, super édition. Et surtout, il y a ces deux ouvrages. Donc, Richard Fleischer, une œuvre, Nicolas Tellop. Voilà. Et Survivre à Hollywood, la bio de Fleischer, qui a été traduit par Julien Guérif, que je remercie. Voilà, merci d'être venu. Merci à tous les deux. Merci. Je ne sais pas si vous avez vu Planète des Singes, les survivants aussi.
il construit un personnage un petit peu mystique dans la science-fiction. C'est un acteur qui est très intéressant, il retient malheureusement toujours un peu sa fille, où il est soutien de la compagnie des armes aux États-Unis. C'était plus subtil que ça. Les gens vieillissent pas toujours. Oui, oui, voilà. C'est comme Clint Eastwood. Non, mais c'est vrai, c'est assez bien pensé. Sauf que il divise moins Clint Eastwood, parce qu'il a construit Dove par ailleurs, qui relève un peu l'humanisme. Dans les Stones, c'est un acteur, du coup, il n'a pas construit Dove, et tout de suite, c'est toujours facile de les dépantomaniser, quoi.